Les impacts économiques de la sécheresse deviennent de plus en plus visibles. C'est quelque chose que beaucoup de nos compatriotes commencent à vivre, aussi bien dans le milieu agricole que par exemple au bâti, avec les risques liés au gonflement, au retrait des argiles. Donc c'est un problème d'actualité qui risque de s'amplifier avec le réchauffement climatique. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut en prendre la mesure, bien connaître de quoi il s'agit. Et c'est un peu l'objectif de notre journée dédiée aux aspects socio-économiques de la sécheresse. La dernière session sera organisée autour de témoignages de jeunes, disons, en master et qui connaissent déjà, qui s'intéressent à ces problèmes liés d'une façon ou d'une autre à la sécheresse. Et puis, c'est important d'avoir un témoignage des jeunes. Je dis souvent que les jeunes sont doublement concernés. Ils sont concernés par l'action parce que c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre les mesures pour faire face aux risques de sécheresse qui deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses.